Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'électricité statique dans l'air. Oh, puis il y a un truc tout recroquevillé sur lui-même en boule qui vient d'apparaître. C'est quoi ce truc? Oh, bah c'est un homme. Mais il est tout nu, comme s'il avait voyagé dans le temps tel Terminator. Levez-vous, monsieur. Oh, bah dis donc, vous avez froid? Bonjour, je suis Chuck Norris. Tu es bien un jeune connard. Jeune connard? Non, je suis John Connor. C'est bien ça. Écoute, petit, je suis ici pour te protéger du Terminator. Toi? Attends, tu veux dire toi tout seul contre Schwarzenegger? Ah bah autant dire tout de suite qu'on est tous morts alors. Je te trouve bien pessimiste. Tranquillise-toi, j'ai été à l'armée. Et t'as fait quoi à l'armée, le ménage? Non, j'ai été à l'armée en un seul mot. À l'armée d'une mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Un second cataclysme? Pour qu'il y en ait un second, il faudrait déjà qu'il y en ait eu un premier. Oui, c'était de toi dont je parlais. Oh, le Terminator. Ma mission, éliminer Chuck Norris et Jeune Connard. Mais arrêtez de déformer mon nom. C'est pas John Connard, c'est John Connor. Tu ne pouvais pas te taire. Maintenant, il nous a repérés. Bah, il peut rien, il a sali le nom de ma mère. Ne courez pas, je veux juste vous tuer. Connard, viens avec moi dans le camion. On va le semer. Il nous suit en moto. Oh, ouais, elle a la classe sa moto, hein. Oui, et son calibre aussi. Cesse de faire des grimaces à la fenêtre, ou il va t'arracher le bras. Tu auras l'air malin avec un seul bras après. Eh oh, t'es pas ma mère, hein? Il gagne du terrain. Du terrain de foot, même. Il va traverser le stade. Il passe à Ribéry, qui semble bien fatigué aujourd'hui. Il faut tenter, les entraînements ont été beaucoup plus longs. Mais qu'est-ce que c'est? Il semblerait qu'un Terminator ait défoncé le stade et traverse actuellement le terrain. Waouh! T'as vu comment il joue bien au foot? Ne te laisse pas avoir! Il fait cela uniquement pour attirer ton attention et t'attiser ses bonnes faveurs! Et ça marche! Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, demande un autographe! Mais il veut te tuer, connard! Pas grave, il m'a promis sa griffe avant! Ah! Il nous rentre dedans! Ah, je croyais qu'il était bourré! S'il continue, il va nous faire tomber! T'es pas juste aussi, lui, il a une Harley et nous, on a un vieux camion tout pourri! Oui, on a surtout un passager qui va descendre du véhicule en marche s'il n'arrête pas de se plaindre. Oh, dis donc, il est susceptible. Hasta la vista, baby. John! Tu n'as rien, John? Non, ça va. Dis heureusement que c'est toi qui dois me protéger, hein, parce que c'est toi qui nous a fait un accident de voiture tout seul. Il y avait un hérisson qui tentait de traverser la rue. Eh ben, il avait qu'à prendre les passages cloutés, comme tout le monde. Ta mission, c'est de me protéger, moi, pas un hérisson. Avec ta coiffure, parfois, ça prête à confusion. Attention, j'arrive. Reste là, John. J'en ai pas pour longtemps. Adieu. Heureux de t'avoir connu quand même. J'aurais pu faire venir Superman pour me protéger quand même. J'aurais été en sécurité, là. Alors, Termite, on veut tuer un enfant, t'as pas honte? Le Terminator ne connaît aucun sentiment humain. Il a une mission, il l'exécute. Et c'est quoi cette mission? Mettre Chuck Norris en pièces. Oh bah ça tombe bien, j'adore les puzzles. C'est un comble ça. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es construit en pièces. Allez, finissons-en. Ça va, on n'est pas aux pièces. Ce serait malheureux que je ne vienne pas à bout d'un vieux tas de ferraille. Tiens, prends ça! Rien senti, à moi. Et toi, t'as rien senti? Pourquoi t'as pété? Affirmatif, j'ai pété un boulon. On est mal barré, je crois. Tu sens la rouille. Et toi, tu sens des couilles. Ou ça, ça doit faire mal. Je te le confirme! Si j'en étais capable, je rirais. Tu es quoi exactement comme Terminator? Tu es un T-1000 ou un T-2000? Négatif. Je suis intelligent. En tout cas, si tu n'es pas un T-1000, tu es un débile. Un têtu, un téméraire, intéressant? Négatif. Un testament? Tu peux commencer à faire le tien. Non, en deux mots, un testament. Non!
Un test de grossesse? Non. Un intestin grêle? Non, je suis un moyen de locomotion. Je suis... Un TGV. Bonne réponse. Bravo Chuck, vous gagnez l'encyclopédie des 12 champignons les plus mortels. Comme ça, vous pourrez faire une omelette. Pour lui, il faudrait un spécial femmelette. Oh, mais il a tué Julien Lepers. Il a les fils qui se touchent. Après ce que je vais te mettre, tu vas filer droit. Ta vie ne tient qu'à un fil. Je vais te faire avaler ton fil dentaire. Ça devient long. Oh, file dans ta chambre, toi. Je lèverai un œil sur toi pour que tu commandes tous mes jeux de mots. Non, ça va. Je veux pas te faire de la peine. Trop tard, c'est fait. Je vais te faire sauter la cervelle. Et moi, je vais te faire sauter les plombs. Non, mais pour qui se prend cette machine? Tiens, fais gaffe, tu marches sur un fil. Tu en es encore au fil. L'espèce humaine est lente. Les humains sont pleins de lentes et les machines pleines de puces, alors? Non, regarde, Nigo, t'as un câble qui dépasse sous ton pied. Ah oui, merci. Ah. Et voilà le travail. Je leur fais tous péter un câble. Plus qu'à le pousser dans la lave, qui se trouvait comme par hasard en dessous. Franchement, t'es trop forte, Suck. Un sort est homme et cru. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences. Désolé, téléphone. Allô? Ouais, salut. Ouais, ça va, ouais. Ok, j'arrive, à tout de suite. C'était qui? C'était les Tortues Ninja. Elles m'invitent à croquer une pizza dans les égouts. Pourquoi croquer? Bah c'est pour elles, elles ont plus de dents depuis le temps qu'elles existent. Alors faut bien que quelqu'un leur masse le travail. Tu veux venir? Non, j'ai toujours une dent contre les pizzas. Ouais, je comprends, à ton as, tu prends soin de ton dentier. C'est ma devise. Je protège toujours le monde entier.